Parti pour la libération! On a Jean qui est parti. Hop, qui s'est envolé. Tu peux t'accrocher? Voilà. Et maintenant, tu te retournes. Oui, alors tu te retournes. Hop là, coucou, au revoir. Je suis contente de t'avoir vu faire ta life. En partie. On n'a pas eu deux. Ah non, ah non. Va falloir s'arrêter au bout d'un moment. Hein. Ah non, tu t'enterreras pas sous mon doigt. Ouais, alors. Déjà qu'il y en a un qui nous a fait popo sur le couvercle. Bon, alors si je remonte. T'es pas comme les chats, toi, tu veux pas absolument monter. Alors, on va essayer de souffler un peu. Bon, alors j'ai qu'une main de libre, donc je me vois pas bien prendre l'autre main. Jérôme, tu peux tenir la caméra? Je vais mettre mon autre main devant pour qu'il change de doigt, parce qu'en plus il commence foutreusement à me chatouiller. Je suis extrêmement sensible au niveau de la peau. Non, tu contournes pas les hein, oust. En fait, tout ça pour l'aider à se remonter parce que il y en avait quelques-uns qui étaient coincés. Allez, allez. Alors, ce qu'on peut faire pour les faire avancer, c'est les pousser au cul. Voilà. Mais le problème, c'est que là, je veux pas qu'il aille vers là. Je veux qu'il retourne sur sa plaque ou qu'il me lâche la main parce que ça commence à chatouiller. Oh, que ça chatouille! Oh, que ça chatouille! Je peux pas être sur la plaque et sur la main. C'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, pépère! Vas-y, pousse au cul. Non, pas. Non! Non! Pousser au cul n'est pas foutre un grand coup de pied dans le popotin. C'est ça, pousser au cul. C'est tu lui touches les fesses et comme il n'aime pas qu'on lui touche le cul, il va avancer plus vite. Bon, attends, bouge pas. Oui. Voilà, ça c'est plus efficace, c'est prendre une brindille. Et venir. Oui, alors c'était pas une brindille, c'était une feuille morte. Et venir l'aider délicatement à se retourner. Lâche la feuille. Lâche la feuille. Normalement, il devrait ne pas faire ça. Oui, alors, tu vas pas avancer là. Oui, alors il se réveille. Hein. Il se réveille. Ils sont comme certains humains. Ils ont le réveil un peu galère. Voire très galère. Mais on en a déjà un qui s'est envolé. Celui-là, là-bas. Hop. Il est aussi sur le dos, mais il va bien, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre la caméra, enfin le téléphone. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y en a un qui s'est déjà barré. Là, il est sur le dos, mais il va bien.